C'est le premier jour des vacances! Ah merde, c'est vrai, je travaille encore un mois. Hop 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 les gars, juste avant de commencer la vidéo, j'ai une annonce à vous faire. J'ai créé un snap qui sera juste ici. Donc tu peux m'ajouter afin que nous puissions parler en temps réel. Donc je pense que ça peut être encore plus cool. J'essaierai de vous répondre au maximum les gars. Donc voilà, l'annonce est faite. On peut commencer la vidéo. Ah oui, juste ça, c'est vrai que j'ai pas le bronzage encore optimal les gars. C'est plutôt agricole pour l'instant, mais j'y travaille. Allez, on va voir ce petit sondage, ce que ça a donné. La lettre pour l'épisode 12, lettre W. Là les gars, je sens la compassion pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Bienvenue à bord, Vaim aux commandes. J'espère que tout le monde va bien, car aujourd'hui, mesdames et messieurs, le peuple a voté. Carrément, le peuple. Oui, bon d'accord, les abonnés ont voté. Ils ont décidé pour cet épisode 12 de la saison numéro 1 de Une Lettre, Une Équipe, d'attribuer la lettre W. Franchement, ça rend bien, mais faut juste que tu me dises pourquoi tu fais la voix en off. Bon, laisse-moi dans mon délire. Voici donc l'équipe de Vaim. Ah, parce que tu t'attendais à une team de merde? Ah non, non, non! Un mélange anglais-allemand du tonnerre, les gars, que je vais vous présenter tout de suite. Nous avons donc au gardien l'allemand Weidenferler avec l'accent. Ça va toujours bien. Notre charnière centrale sera composée, elle, de Wildchild et de Westerman, qui a peut-être côtoyé Clint Eastwood, on sait pas. Western. Ouais, bon, bref, laisse tomber. À droite, nous avons la vitesse avec Kyle Walker, les gars, ça c'est très très bon. Et nous avons un petit nouveau, enfin, 30 ans quand même, donc pas très nouveau, mais bon. Je dis pas que 30 ans c'est vieux, hein. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Donc Vemer, 69 de général, il a des stats plutôt corrects, plutôt équilibrés. Notre milieu sera lui composé de Tobias Weiss dans un premier temps, une très bonne carte argent. Nous avons Jack Wilshere, alors lui les gars c'est la pépite de l'équipe, je l'adore. Surtout qu'il sera suivi de Ward Prowse, un très bon joueur puisque très jeune. Attends, c'est très très con ce que j'ai dit, c'est à dire que s'il est jeune, il est bon. Pourquoi je ne suis pas footballeur professionnel sachant que je suis encore plus jeune? Enfin bref, notre attaque sera quant à elle composée de Theo Walcott. Pas besoin de vous le présenter les gars, vous le savez, la vitesse pure. Donc vraiment c'est un très bon joueur qui peut repiquer dans l'axe, dribbler, rouler, top, passement. Enfin on va essayer de marquer dans un premier temps. Timo Werner sur le côté gauche, une bonne carte argent les gars, elle peut nous être bénéfique. Notre buteur les gars sera Danny Welbeck. C'est pas exceptionnel mais bon c'est déjà ça. Sachant que moi non plus je suis pas exceptionnel. Oui, hier soir un ami est venu à la maison et magnifique. Voilà, on a joué encore en bouclier des champions, j'ai encore oublié qu'il y avait un 6 à 6 et que je pouvais gagner ce bouclier des champions en ayant fait un 6 à 6 dans la compétition. Là on est bien dans le bouletisme, j'ai encore oublié une deuxième fois qu'on faisait le bouclier des champions dans cette série. Enfin bref les gars, c'est pas grave, prochain épisode on ne fera pas la même erreur. Et je vous propose tout de suite de voter dans le sondage pour l'épisode 13, la prochaine lettre. Ne soyez pas trop méchants s'il vous plaît les gars, on va donc partir, let's go. On va trouver un adversaire. Ok, Andy, 87 de... Mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Encore une fois, full légende! Mais vous avez quoi contre moi, les gars? Mais j'en ai marre! Chaque épisode, c'est la même chose! On tombe contre une team of the season et là, maintenant, on tombe contre des légendes! J'en ai marre! Les gars, pouce bleu pour me soutenir, s'il vous plaît, parce qu'à chaque épisode, c'est la galère! Allez, on va se retrouver pour les meilleures occasions. J'espère ne pas me faire défoncer. Allez, légende ou pas légende, on s'en fout. On s'en fout des légendes. On va encore prouver qu'on peut le gagner. Voilà, mon gars. Ça, c'est de l'interception. Bats-toi, là. On joue contre des légendes, mon gars. Qui ne jouent même plus au football. Mais nous, on est là. Ouh. Olé. Attends, regarde, regarde ce que tu vas prendre. Olé. Ah non, merde. Tu veux savoir comment on y être une légende dans le vent? Comme ça. Merde, non, pas du tout. Là, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Non, attention, attention, low drop. Attention, low drop. Non, low drop. Oui, bien joué. Non, 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 non. Ouf. Ah non, me fais pas l'histoire qu'il y a un penalty encore que j'ai pas vu. Ah non, c'est bon, c'est bon. Allez, Danny Welbeck. Allez, Welbeck. Allez, Welbeck. Oh, Welbeck. Non. Non, mais non, mon gars. Comment tu rates ça? On va pas en avoir 10 000 face à des légendes. Oh oui, tu l'as eu. Yes, yes. Ouverture du score, les gars. Ça, c'est bon. Encore une fois, contre des légendes, ça c'est bon les gars. Oh là 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 là, quel tac. Quel tac récupérateur. Allez, 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 projette-toi, dommage. Oh non, 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 attention, attention, il est parti. On revient avec le gardien. Non. Ah les gars, égalisation. Ah ouais, ouais, là j'ai rien pu faire. Ah, low drop est parti là, j'ai pas fait gaffe.
Un partout, les gars. Allez, 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 on y croit, on y croit. Oh oui, Théo Walcott, Théo Walcott. Ouh, allez, finis-le, 2-1, ça c'est bon les potes, 2-1 pour nous, yes, yes, yes. Ah, juste avant la mi-temps, c'est parfait ça, c'est parfait les gars. Non, 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 il y va trop tout seul là, ouh. J'ai chaud là, j'ai chaud les gars, j'ai chaud. J'espère que vous avez chaud avec moi les gars, parce que là, on rentre encore dans un super match. Décidément, nous, on n'a pas le droit au repos, hein. Allez. Non, pas un tout droit avec des légendes, t'as pas le droit. T'as pas le droit de faire un tout droit avec des légendes, franchement. C'est dégueulasse, c'est pas beau. Oh oui, oh t'es parti. Allez, allez, finis-le. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu rates? Le point positif sur mes vidéos, c'est que tu peux les regarder sans l'image. Tu vois, t'as le son, tu sais ce qui se passe en fait. Non. On l'a couvert. Couverture. Ouh. Allez les gars, maintenant on le drape. Drap couverture lit. Oui, bien joué ça. Olé, Magadore, olé, bouh. Oh, dommage. Désolé pour vos oreilles, les gars, mais là, je suis tout seul chez moi, encore une fois. Et là, avec ce match, je suis obligé d'exploser, les gars, parce que sinon, je vais pas tenir, moi. Non, voilà, bien joué, mon pote. Non, d'ailleurs, on n'est pas potes, les gars, non, on revient pas aux gentillesses, non. Allez, on progresse, boum, oui, yes. 3 à 2 les gars, ça c'est bon, yes. Qui c'est qui a marqué? Je sais pas, je crois que c'est Wilshere. Non, c'est Vice les gars qui a marqué, yes, 3 à 2. Allez, cette fois-ci on le tient. J'en ai marre des matchs comme ça là, sous pression. Allez les gars. Non, y'a péno, putain, mais non. Là ça vibre, c'est gars chiant. Je vais à droite les gars, je vais à droite. Oh non, je l'avais eu, non, 3 partout. Ouais, super, encore en prolongation, franchement génial. Je sais pas si je vais tenir la route, là je vous l'avoue, je sais pas. Non. Ouf, oh là 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 là, bien joué mon pote. Bien joué gardien. Oh là là, non, mais arrête avec tes tout droits mon gars. Franchement, faire des tout droits avec des légendes, c'est comme manger une tartine sans Nutella. C'est vraiment dégueulasse. J'avoue, la comparaison, elle était pourrie, mais 110ème minute, vous avez pas le droit de m'en vouloir, les gars. J'étais en train de penser à l'expression, c'est comme une tartine sans Nutella, et là, ça va pas du tout, en fait, dans la phrase. Allez, non, te déconcentre pas, Kevin. Te déconcentre pas, poteau. Non. Ouf. De l'eau, s'il vous plaît. Allez, qui est chaud pour une nouvelle séance de pénalty, les gars? Deuxième épisode d'affilée. En pénalty, franchement, tout va bien. Oh, j'en ai marre, allez. Oh là là, en plus, j'ai tiré comme une merde. Ouf, c'est bon, les gars, premier pour nous. Allez, j'en ai marre, deuxième épisode avec des pénalty, j'en peux plus. Allez, attention. Oh non, je l'avais. Encore à droite, les gars. On change pas une équipe qui gagne. Ok, on va à gauche. Oh, yes. Yes, poteau. Et si on regagne une fois la séance de péno, c'est épique, les gars. C'est épique, encore même côté. Voilà. Allez. Il va repartir à droite. Oh non, putain, il tire gavé bien par contre. Je pars chaque fois du bon côté. Eh, petite panenka, les gars. Voilà. Allez. Oh putain, non. Les gars, on va où? Allez, je vais même côté, s'il vous plaît, yes. Encore une fois, la victoire pour nous, les gars, mais que c'est dingue, cette série. Une lettre, une équipe, yes. Attends, je me mets de la musique douce, là, pour m'apaiser, les gars. Je suis en folie, encore une fois. Quel match de folie, les gars. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, tout comme je l'ai apprécié, parce que vraiment, quel match de dingue. Mais au moins, on prend du plaisir dans les vidéos, on s'amuse, c'est pas des matchs chiants. Donc vraiment, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu pour récompenser ce match de dingue, ça me ferait vraiment plaisir. N'oublie pas ton petit commentaire qui me fait toujours plaisir, je les lis à chaque fois. Merci à vous les gars, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo les gars. Je vous promets que cette fois-ci, je ne fais pas la bourde, je ne rejoue pas en quart de finale. J'éteins la console jusqu'au prochain épisode et peace.